RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botenabino, merci. Le lot aux alliés est mardi. Mardi, je crois qu'ils allaient le 2. Zambé, Azaliko, Batela, Mboka Congo. Merci, Naba, Ndeko Nyonso, Bozula, Ndebiso, partout à travers le monde. Bon, Monique, MKBez officiel, Totikali Media, Oyo, Tozana, avance, il y a des informations. Je crois que Bolandi est à la émission Tosala qui lobby Rachela Yamba Kingai est là où il est kaki na la qui sa qui bino profil ya batomi satu oyo balinga ki bazala na ngwende o ya premier ministre. Alors cela renforce notre crédibilité. Parmi Batumi Sato Totange Lebino, Moko Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a nommé maman pour la première fois, Kombonezali Judith Touluka Souminwa. Togo Mesananango, Togo Madame Judith Touluka. Donc, Yohana Bomoni. Premier ministre, c'est Banda Tozoa indépendance. En 1960, Ndeko Nabiso, Mama Yaya, l'équipe Nabamoussous, Lelo, Mama Azoa, Ngwendewana, ya premier ministre. Je crois que Ngaï Moko, l'on dit peut regarder na. Je ne sais pas, il n'est pas dans les groupes là, mais à Komona, Ngaï Meda dans Kolongo Nazara qui déjà Kala, déjà na premier ministre. Je vais vous montrer. Ndebolo Baka toujours na vie. Okoye Bateni ne koko melayo lobby. Il faut toujours qu'on soit souple. Alors, à l'époque, Azala qui est ministre, il y a plan. Azala qui est ministre, il y a plan. Mais regardez aujourd'hui, tous allés ensemble à Naïe. Donc, Madame Judith Touluka, Yewana Moto Azali est premier ministre. Il y a Mboka na biso, province, Kakandenge na Yebisekibino, qui Bitumba ezalaki entre deux provinces, province ya Congo central, Moutou est remporté et Yango. Donc, tant que Zolo Baawa, premier ministre, je crois que c'est la peine Balali Bosso, qui province ya Congo central, Babimisa Ngwendewana ya. Qui premier ministre et aujourd'hui donc tokoki ko souhaité babokilo nangai donc kuna ezali batuluka. Moi je crois que mama bokilo nangoma ezali tululu moni ba biloko ndeke moko tuluka tululu donc vient de barwande no ruberwa rubwezi tout ça ba rr ndenge pe bokongo za batuluka Touloulou, ma bokilo nanga boti ma senanga ezali Touloulou. Le premier dame a zu kombo ya Touloulou ke za kombo ya mobali na ye. Donc nde tomoni bango wana ngai personnellement pour que na yebaki comme ministre ya plan accordé biso audience wana bomoni ngai na premier ministre. Il y a un cannabis, on a toujours une archive. On a déjà
na premier ministre ici place bozo mona aneza na cabinet na cabinet a weza na cabinet ya ministère ya plan a weza na ministère ya plan lors na séance moko ya travail to zala ki naye à l'époque. Donc pour l'avoir connu, échangé avec elle, en tout cas sur le plan de développement, je peux dire que, en tout cas, na expertise, na savoir-faire, il n'y a pas de débat. Maintenant, le problème est à lancer. Est-ce que ça suffit? Namboka oya dioma, mboka oyo, akolindetikale na tongo boy, ba yebisiye o, ba mbororo, ba kotina itu, o na akoye ba mboga musus abande o gango na matoy il faut ce qu'on a on a idu hein ayoka ona sakanya afanda boyo kuna nanga azana place moko boyo tout ça. Donc cela prouve comment azali kosala makambo oyo ezali malamute. Donc, moi, je pense que à mon humble avis, Ndenge Makambo Ezali Kokende, cela montre clairement que le Premier ministre Nabiso, tu bois quelle est ma chance, tu bois quelle est ma fleur, surtout qu'Aza Maman. Que la paix Maman est assurance, ou tu as payé na Maman, Mogona Banque Centrale. Donc, Maman Kabedi, dollar, lobby, au moment du 28. Na lire na ngue bagoma 30 maman mutaza kona ezate ko aza maman. Mais moi je compte surtout au contraire na lolenge na ye ya ko sala musala. Moi je le connais personnellement après avoir échangé na maman na biso je la connais et je sais de quoi azali capable. Donc na kada ba macro climat des affaires, les investisseurs, Bola la pongi ya ba bébé côté wana vraiment ezali mais akokuta défi sécuritaire. Akokuta défi sécuritaire. Wana za casse-tête. Est-ce que à cause la mesure ya ko relever défi wana sur le plan sécuritaire. Hein? Il y a vraiment un sérieux problème na oyoye azali koloba. Mais attendons, nous lui souhaitons de très bonnes choses pour avoir Kigali à Koti, Nabeni Baningisi, Rumanga Bobakoti, Sake Babouje. Donc, nous lui souhaitons vraiment alors mandat malamu Bampangi Nabeto. Donc, de toutes les façons, Congo central, en tout cas, beau CP là, beau Zala très bien. Aujourd'hui, président de la République à Kanisi, province à Congo central, Babel Misa, premier ministre, mais. Azalaki est mon côté Wameso yé pas Azalaki na course na Liaou pour na Équateur Azalaki pe na course mais le président de la République a souhaité a nommer vraiment maman Nabiso Judith Toulouka pour être Azala premier ministre a commandé Bozuya Mboka politique gouvernementale et au mérité l'association Balamoko et Bandi na Boutou les amis de Judith Toulouka et Bandi donc Somo. Alors je crois que Yemoko en tant que premier ministre a Zouaki Maloba avant Toyo Kaye Meyaï des félicitations et Outi na Bipay Nyon Soya Liboso et Zalia Jean-Pierre Liaou, Oyo Azali, jusqu'à présent ministre Nabiso ya fonction publique à l'Obiboye. Il a plu au président de nommer ce jour Madame Judith Suimwina
Toulouka en qualité de Premier ministre. Je salue le choix d'une femme de caractère dotée d'une intelligence fine et indéniable. Elle peut compter sur notre accompagnement pour la réussite de sa lourde mission. Wana ezali vraiment makambo remerciement au Jean-Pierre Liao à Pessier. Alors oyo atikalipe bato bazali ebele bazali ko féliciter et je crois encore notre première dame, voilà Denise Nyakero Tshisekedi du Premier dame de la République démocratique Alobi. J'adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations à Madame Judith Toluka pour sa nomination en tant que Premier ministre. Ce choix du Président de la République, champion de la masculinité positive, est un message fort en faveur du leadership des femmes et de l'égalité des genres qui constitue l'un des piliers importants du développement de notre chère patrie. Je suis convaincu que son dynamisme et sa riche expérience professionnelle, fruit d'un parcours exceptionnel, contribueront au rayonnement de notre pays, à l'impulsion de l'action gouvernementale. Je lui souhaite plein succès et l'accomplissement de cette haute mission. Ensemble, plus forte. Donc, première dame a félicité Nini Ezali. Ebele Moussousou Ezali, maman Abisso Moko Azalaki na campagne ya Fachi, c'est l'honorable Acacia Bandobo la lobby. Il félicite la nouvelle première ministre Judith Tshimwina. Félicitations à madame Judith Toluka, en premier dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Une femme au poste du Premier ministre. Vive la femme. Bon va obstruer mandat. Le peuple d'abord, le peuple toujours. Bah, félicitations, Ezali et Bélé. Donc, avant de continuer, on va détailler Moussous. Nous allons vous laisser quand même Boyoka. Yemoko, vraiment, Maloba, Oyo, Atelemi, Epona, Koloba, bah, Premier Monaye, après nomination Naye. Je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des six engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix. Je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des six engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix. Alors, je crois que Wana Bolandi vraiment Manso Oyo Maman Premier ministre Aloubi, selon vous, vos premières impressions,
innovation mbalali boso chance ni boso pe sa profil naye nyonso ekoya na ba commentaire maintenant tokeyi na maye matali politique boyebi ke Joseph Kabila selon ba source ebele a s'exilé azali susu awa na Congo te dernière information oyo tozui ezali avec précision Augustin Kabuya pensi biso pona bandeko oyo baza na ngambo ya Belgium. Je crois que lobi na tuna ki mutuna na lobi me soki eza bongo et que Belgium baza au courant que Joseph Kabila abimi sans katika trace. Doit-on encore continuer na moi alelo ko sala semblant na likambo owana ou bien esengeli to continuer to sala makambo ndenge mususu bande konangai nyonso wana ezali quelque chose de très important to ko solo la yango na mission ya mokolo ya lelo. Mais Kabila ango aza précisément wapi. Bazotanga mboka misatu. O Kabila azali ko se retrouver. Et puis azo sala ba makambo mwa mingi. Entre autres, sengeli boyeba ke bazotanga mboka ya Afrique du Sud, il y a le Bosso, Bazo Tangape, Mboka, en dehors de l'Afrique du Sud, Bazo Tanga, Mboka, il y a Zimbabwe, après Mboka, il y a Misato, il y a Komikuta, et il y a Namibie. Mais il y a des dernières informations, mais ce soit qui est Tata Nabisoana, Alibé Namboka ya Namibie. Et d'ailleurs, vous avez dit dernièrement, tant que le président ya Namibie a Koufi, Bomoni lo lengenini, Kabila apparaître. Abimakaye mon côté, Abimakana Kikaya bin Karubi. Donc, ezakola kisake, Kikaya Zalakana Namibie, Mboka wana et ezali vraiment pire bato na ye bango bato bazali ko sunga kaye je sais pas ce qui peut Kalev ou bien ba John Numbi pe bazakuna mais pour le moment azali ko bikuta na ba information tozu na mboka ya Namibie. Alors mutuna ezali yango yo awa na manso bazali koloba toyoki. Par exemple, inquiétude dans la qui na yango, bactère peu politique, ba la qui si yango. Lobby na tuni mutuna na lobby, na niveau tozali, un pays où un ancien président de la République, Augustin Kabuya lobby, makamboa na yako simba, manduki ko bundisa Congo, et bandi mokolo akimite. Azalaki bena ba information banda kala. On suppose que bango bazana ba information oana. Alors, surtout que awa dernièrement ba bengi si Janet awa. Tokoka mongolo musuna tongo mogo o Janet pe azate abimina ndenge akobata makei. C'est possible toka lisusu ke ye pa kimili suna ndenge wana. Alors, vérité ya solo eza wapi. Alors batu mingi balakisi même inquiétude entre autres na ba acteur politique o ya société civile batu mususu baza contre mais en entre temps bazali ko pesa ba suggestion na bango par exemple ce que totangi de komoko a réagir sans mâcher les mots peu à peu si précision na ye na ba propos oyo Augustin Kabuya le bagage Zali Noel Chang alobi boy s'il y a des preuves
que Joseph Kabila est l'investigateur des rébellions meurtrières à l'Est. S'il a fui le pays, comme l'affirme Augustin Kabuya, n'est-il pas rationnel et logique que la RDC émette un mandat d'arrêt international à son encontre? N'est-il pas rationnel et justifié que l'Assemblée nationale révoque son statut dans son chef de l'État qui lui donne des avantages financiers énormes et des immunités contre les poursuites judiciaires? L'État n'est-il pas venu pour que la justice congolaise examine tous les dossiers contre lui qui sont bloqués juste à cause de son statut d'ancien chef de l'État et d'immunité qu'il protège? On attend quoi? Donc, Nali Kamboana, Ndeko Moko, Atelemi, Apesi Lolenge na ye yakumona makam. Kombo na ye Ezali, Noël Tchani, Oyo Asengi Penza, vraiment que na Lolenge Makamboezo Salema, et Sengeli, ke Baluka, position Moussousou, Oyo et Koki ko permettre que Basala Moussala Ndenge Elongobani na bandeko basali koloba. Noël Tchani suppose que na projet topé na plan Oyo Bango Bazanango, il souhaite que Baluka Lolenge ya mettre mandat moko d'arrêt international, mandat d'arrêt international. Mandat wana balansango contre Joseph Kabila. Est-ce que c'est normal à lobby? Comme bazana ba preuve que ça y est. Comme bazana ba preuve que y a un mouto azali ko soutenir rébellion et qu'il est allé demander même na ba président Moussousou. Donc, ça a besoin de soutenir moko, oyo, bango, bakoki kolinga, basala, pouete, baluka lolenge nini bakoki kozala ensemble. Alors pour naye ezali likambo ya mutu yate ke bandeko wana ba fanda kaka boy sans ke ba mettre mandat wana ya mibale alobi soki Kabila afanda na mboka oyo et ke bazotungisa yete c'est parce que zana statut ya ezo protéger ba ancien chef de l'État et pesi bango ndingisa ke Boko matalikolo bokiti na se me bozana makokite ya kotia maboko na ancien président de la République. Alors dans ce sens là ezana ba vérité mususu o esengeli bato bayeba ke lolenge nini makambo mazali kotambola. Donc je pense à mon humble avis, Makambonyonso est clair et nous devons réfléchir bambalebele potoye banini ezolo bama sur terrain. Alors réflexion na biso maintenant ezali Noël Tchanya sengi na assemblée nationale po bato ba tia mubeko wana, est-ce que moyen ezate baluka lolenge nini bakoki kolongola Mubeko wan? Est-ce que moyen exacté balongola Mubeko wan? Ça c'est de un. Yami balé, est-ce que moyen exacté baluka ndenge nini bango bakoki pe à un certain niveau koluka ndenga ko se positionner nyonso wana tozoyoka. Mais Tchanya lobi, est-ce que koki pe que nangonga tokomi bala musaba dossier nyonso oyo ekokaki kozala contre ye, est-ce que moyen ezate? Donc nyonso wana ezali moyen te, par exemple dans dossier Chebeya comme maintenant ebimike ye moto azali sima ya Manduki Tchanya lobi. Moi si ya Chebeya, bada Chebeya, bada la gana souci, baye ba e boni boni,
nani aboma papa na bango moyemba sambi sakabi les ate po boye bibye ke mwilambwe alobana yeke monto oyo asala biloko nyonso ne salema kombo na ye eyebani ezali comment il s'appelle Joseph Kabila. Alors et comment est impossible basambi ça y est parce que statut ya kala ya ba président de la République et ça ko pese ses immunités il y a poursuite ba yeba poursuivre ye ezate. Alors on tient ya lobby est-ce que est possible que maintenant ba appliquer likambwana pour na Joseph Kabila. Mais en dehors na na ye vous avez suivi parce que Augustin Kabuya a lobby. Mais en suivant le président de la République, vous avez l'intention que le président vient encore d'ajouter ou de confirmer sans mâcher les mots. Alobi batu oyo bazali ko boma ba congolais eza bao basala ki 19 ans ao. Donc en d'autres termes, il confirme thèse selon laquelle Otozo mona kuna Rwanda batuba pesi ebeki ezali bandeko na biso oyo bazalaki yawa bakamba mboka oya kambi mboka Joseph Kabila. Alors na ba condition wana ezo koma un peu très très flou. Maintenant mutuna na biso yango est-ce que tokola mukana tongo boyete toyoka ke bango nyonso bakimi est-ce que to mona ka lususu zoe hein zoe ke ndape bandakala oyo mona na kesaka ka dada mais zoe na mona ke ata hein ata na ceremonie nete kabila matanga ke kesaka moko hein ya kaka ya président na mibi ndele sel matanga na mona ke tu peux t'imaginer que papa Bokilo ya ndeko na yo Zoé takufi azena que c'est ma kete hein donc ezali likambo moko ya ya kokamwa na ba makambo nyonso oyo biso to zali vraiment kolandela de près. Donc moi je peux vous dire que na makambo ndenge zo kende bande konangai il faut tous à la vraiment souple, il faut tous à la claire. Toi et parce que le jour qu'on est kokoma na souka. Maintenant que le président Tshisekedi lui-même confirme sans mâcher les mots que Ezali Bandeko il y a 19 ans, c'est que tous hommes gana schéma peut-être il y a mandat d'arrêt international. Oh Noël Tiani à Sengi. Mais ce que Namibia a copié c'est monsieur père. Mandawan. Hein? Pour qui kaya de bois en kuna, ton mona ki koutou awa, tango ba, ba M23, ba avant nanga, nanga kendake ko sa la déclaration, na Kenya, a kendake na Kenya, a sa li déclaration ki azo telema, pona ko bundi samboka. Mais nous avons vu, si ma yakolo ba yon sowana, nanga, afanda, na kidi baboye Kenya c'est le communiqué à lobby ya ko kanga mutote parce que za makambo ya liberté d'expression John Numbia za na Zimbabwe ya muto azo benga kutu batu baya ba déstabiliser mboka na biso ba pays ebele baza na hypocrisie na biso lelo maintenant Barbara lobby ki Kabila kozong Zonga na yet, azobanga likambote, ne awa balobi ki akima. Ne mama waruya zana problem te. Mwana balobi zana goma. Azagina Tirki, tout ça. Eh? Après akiyi Dubai. Mazana ye na Kishasa. Ye, je ne sais pas. Mais mtu musupe atika le fobatela ye bien. Eza dada. Eza dada. Parce que eza suma kambu ya ako. Mituna deux fois te. Si vous regardez aujourd'hui, réponse à Félix Tshisekedi, Maya Lobby, il confirme que Baye Bazali Kosala Makambouana
ils allaient Joseph Kabila. Bon, là, d'ailleurs, on revient juste après. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir son excellence, monsieur le président de la République démocratique. Standing ovation pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre ce jeudi avec la communauté congolaise établie à Nouakchott. Ce premier contact avec ses compatriotes en marge de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Mauritanie était rempli d'émotion et de joie. Une joie indicible exprimée par le chargé d'affaires de la RDC lors de sa brève intervention avant de passer la parole au président de la communauté congolaise. Ce dernier a exposé au chef de l'État les principaux désiderata de la diaspora, parmi lesquels la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott-Kinshasa et vice-versa, la construction d'un centre culturel ou encore la réhabilitation de la chancellerie de la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le président de la République a avant tout donné à ses compatriotes les nouvelles du pays, dressant un bref résumé des principaux axes de son action lors de son premier quinquennat et des efforts entrepris pour notamment assurer le développement du pays et mettre fin à l'agression rwandaise en RDC. À cet effet, une mise en garde du commandant suprême à certains fils du pays qui rejoignent les mouvements armés pour déstabiliser leur propre patrie a été faite. Basali, Lisangaro, Toyebaka, Basalaga toujours, mais Bakosanagi Kozanamoa Kimia, mais Lelo, Babimi, Lissousuna Poissa, Po, Basunga, quelques Bana Congo, O Babungi Zela, Oyo Basalaga na pouvoir. Prenant en compte les préoccupations exprimées par la diaspora, le garant de la nation a fait savoir notamment qu'un travail se réalise pour la réhabilitation des différentes représentations du pays à l'étranger. Nous allons faire un programme pour l'ambassade Kili Kili. Ici, nous allons faire un programme. Nous allons faire un temps pour nous enseigner pour comment nous changeons pour nous saluer dans le niveau 1. C'est donc cette dernière activité qui a bouclé le séjour de 48 heures du chef de l'État dans le pays des Mokhtar Ould-Dada. À l'aéroport international Ntansi, avant son départ de Nouakchott, le président Tshisekedi a eu un dernier entretien avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, venu saluer son départ. Des honneurs lui ont été rendus comme prévu par le protocole d'État pour cette visite historique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir son excellence, monsieur le président de la République démocratique. Standing ovation pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre ce jeudi avec la communauté congolaise établie à Nouakchott. Ce premier contact avec ses compatriotes en marge de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Mauritanie était rempli d'émotion et de joie. Une joie indicible exprimée par le chargé d'affaires de la RDC lors de sa brève intervention avant de passer la parole au président de la communauté congolaise. Ce dernier a exposé au chef de l'État les principaux désiderata de la diaspora, parmi lesquels la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott-Kinshasa et vice-versa, la construction d'un centre culturel ou encore la réhabilitation de la chancellerie de la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le président de la République a avant tout donné à ses compatriotes les nouvelles du pays, dressant un bref résumé des principaux axes de son action lors de son premier quinquennat et des efforts entrepris pour notamment assurer le développement du pays et mettre fin à l'agression rwandaise en RDC. À cet effet, une mise en garde du commandant suprême à certains fils du pays qui rejoignent les mouvements armés pour déstabiliser leur propre patrie a été faite. Basali, Lisangaro, Toyebaka, Basalaga toujours, mais Bakosanagi Kozanamo Kimia, mais Lelo, Babimi, Lissousuna Poissa, Po, Basunga, quelques Bana Congo, O Babungi Zela, Oyo Basalaga na pouvoir. Mesdames et messieurs,
Prenant en compte les préoccupations exprimées par la diaspora, le garant de la nation a fait savoir notamment qu'un travail se réalise pour la réhabilitation des différentes représentations du pays à l'étranger. C'est donc cette dernière activité qui a bouclé les séjours de 48 heures du chef de l'État dans le pays des Mokhtar Ouldada. À l'aéroport international Ntansi, avant son départ de Nouakchott, le président Tshisekedi a eu un dernier entretien avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, venu saluer son départ. Des honneurs lui ont été rendus comme prévu par le protocole d'État pour cette visite historique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir son excellence, monsieur le président de la République démocratique. Standing ovation pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre ce jeudi avec la communauté congolaise établie à Nouakchott. Ce premier contact avec ce compatriote en marge de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Mauritanie était rempli d'émotion et de joie. Une joie indicible exprimée par le chargé d'affaires de la RDC lors de sa brève intervention avant de passer la parole au président de la communauté congolaise. Ce dernier a exposé au chef de l'État les principaux desiderata de la diaspora, parmi lesquels la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott. Alors, voilà, Jean Bolandi, président de la République, il confirme, est-ce que Natulibino Mutuna lobby Tokoki ko salela likanisi Eliezer Ntambwe a lobby. Hein? Est-ce que Tokoki ko salela likambo Eliezer Ntambwe a lobby? A lobby po na ye esengeli ba retirer fonctionnement na PPRD. On a tout ba bengi ba msu ba lobby n'importe quoi. Moi, j'observe, mais souvent quand même réflexion, il pense que yé et Sengeli va retirer pour Makamboué Kata PPRD pour fonctionner le parti politique. Tokolanda Yango, on revient juste après. Pour terminer et vous laisser le temps de nous poser des questions s'il y en a, parce que les questions, vous pouvez les poser sur tous les plans, nous sommes prêts à répondre. Nous demandons, devant les médias, au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi, j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira à Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie. D'autres devraient aller par Kalemi pour sortir par le Burundi. Et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda. Il y en a qui devraient aller par Goma. Mais comme Goma, des fois, ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui voudront, qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya, tout ça pour se rencontrer. Parce que le plan c'était qu'ils pouvaient sortir au plus tard le 18 mars, les 25, même s'ils les ont présentés aujourd'hui, c'est contenu de notre révélation qui a perturbé presque leur calcul. C'était prévu que le 25 mars, qu'on puisse présenter quelques Congolais qu'ils ont achetés à la face du monde, que non, voilà, c'est une question qui concerne les Congolais, ça ne concerne pas le Rwanda du tout. Vous avez entendu, l'un d'eux venu du Katanga, entre guillemets, qui a presque dévoilé que le plan n'était pas au Rwanda comme tel, c'était l'affaire des gens du PPRD. Voilà au moins le pourquoi de ma communication de ce jour. Avec plaisir, merci.
Ceux qui viennent beaucoup moins, les amis, oui. Ceux qui m'ont dit, oui. Mais partagez les liens, abonnez-vous. Je reviens tout à l'heure. Olivier Mbepa Bimi, Fandata Kimi Ode Mbimis. Avançons seulement. Après, merci. Indivisible. La population indépendante, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.